Bienvenue. Bienvenue dans Cooking avec Salif. Il y a ce fond de pâte. Pourtant, la lumière, elle me gêne. La lumière, elle est trop. Il y a ça de pâte. Il faut que je trouve une recette de pâte qui va avec ce type de pâte et que je cuisine. Il n'y a pas de crevettes. J'aime trop les pâtes aux crevettes. Il y a ça. Écoutez, on va faire ça. Gargaleni. Gargaleni. On va faire des gargaleni. Pour 4 personnes, préparation 10 minutes, cuisson 12 minutes. On a besoin de 400 g de gargaleni sec, 125 g de beurre doux, 4 tranches de jambon de Parme coupé en lamelles. 2,5 cm, tout ça. 30 g de filet rouge de barret coupé. On va utiliser du poulet. 10 feuilles de sauge. Vous savez quoi? Je vais sortir tout ce que j'ai et on va voir ce qu'on peut faire. Du steak. Une baguette. Une baguette. Tomate pelée. J'ai envie de faire un mini gratin de pâtes et c'est ce que je lui fais. Juste faut que je trouve un petit truc à mettre au four. Ça peut aller au four. Je vais faire un mini gratin de pâtes dans ça. Tout à l'heure, en fait, les gars, ça fait genre depuis le début de la semaine que j'avais envie, non, ça fait déjà depuis le dernier vlog que j'avais envie d'aller écouter mon vinyle au vinyle shop où je fais d'habitude, sauf que j'ai cru que bah, c'était fermé parce que sur internet ils ont marqué fermé temporairement, sauf que non, ce qui est fermé temporairement c'est la galerie et en fait le vinyle shop il est ouvert. Donc tout à l'heure après manger on va aller écouter de la musique, mais d'abord tout ça je suis censé mettre mes habits sur Vinted, ça fait genre une semaine, deux semaines. J'ai bientôt terminé. D'ailleurs, je pense que je vais terminer là avant de sortir. Et comme ça, j'ouvre mon Vinted et j'ai un peu de sous. Quoi? On attend que les pâtes cuisent et ensuite on va mettre tout ça au four, mais d'abord pour faire le steak. Ah, j'ai la fait. Faut faire cuire le steak. En fait, je vais juste utiliser une tomate vu que c'est pas pour faire. Je vais utiliser une tomate normale. Je vais mettre un peu d'oignon quand même dans la sauce pour le gratin. Je suis malheureux, pas longtemps jamais. La semaine prochaine, c'est la Fashion Week, les gars. J'ai essayé d'envoyer des demandes d'invitation à des PR et tout. Et il y a une marque qui m'a répondu. La première réponse que j'avais eue, c'était salut, c'est pas nous qui gérons ça, mais on va. En gros, la team qui gère ça va te retourner vers toi ASAP. Du coup, j'étais grave surpris déjà d'avoir une réponse et j'étais grave content. Ce qui fait que bah, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Mais j'attendais pas de retour. Parce que, savoir que quand on voit un mail dans le monde de la mode, moi, personnellement, j'attends jamais de retour quand je vois des mails. Parce que c'est tellement rare d'avoir des retours. On voit jamais en fait. Jamais. C'est tellement rare d'avoir des retours sur tes mails que tu envoies dans le milieu de la mode. Que gros, je m'attendais à rien. Et puis là, hier, dans l'après-midi, du coup, la team qui gère le défilé m'a envoyé un mail pour me dire « Ouais, désolé, on peut pas donner suite parce qu'il y a déjà beaucoup de monde
qui sont invités au défilé. Du coup, moi j'ai fait waouh, là c'est trop cool de répondre déjà parce que la plupart du temps les gens ne répondent pas. La preuve, c'est vous seul même qui avez répondu. Du coup, merci beaucoup. Mais en tout cas, on est invité à aucun défilé cette Fashion Week, mais c'est pas grave. Plus tard. Mais on est invité à des events, c'est ce qui est bien. Jeudi, j'ai un event avec une marque très sympa avec qui j'ai déjà travaillé. Et ça va être cool quoi, on va y aller. J'ai fini de découper les tomates et là je vais découper l'oignon. Et là ma batterie elle est déchargée, putain. En fait c'est ça. C'est ça, vlogger à la maison et vouloir sortir après. La batterie elle se décharge hyper vite. Il reste plus qu'à mettre tout ça au four. J'ai pas encore assemblé. Je vais assembler et je vais foutre ça au four et après ce sera très très bon. J'ai pas fait de béchamel parce que 1 j'ai faim, 2 j'ai pas le temps, 3 j'ai pas envie. Et voilà. Il reste plus qu'à mettre le fromage et enfourner tout ça. Ça part au four. Pour quelques minutes. Clap de fin. Je me dépêche. Tout à l'heure, je disais, j'avais envoyé des mails parce que c'est la Fashion Week à partir de mardi prochain, le 16, et j'ai voulu envoyer des mails à des PR, à des marques, tout ça, des agences de presse pour essayer d'avoir quelques invitations. Et j'ai envoyé, franchement, je me suis pas du tout limité. Et j'ai envoyé à toutes les marques qui m'intéressaient, j'ai tout envoyé. Et j'ai eu une réponse de la part d'une marque qui m'a dit que malheureusement ils peuvent pas m'inviter parce qu'ils sont pleins. Et ça a été très très sympa de leur part parce que déjà quand j'envoie des mails dans la mode, j'attends absolument pas une réponse parce que j'ai jamais été habitué aux réponses. La plupart du temps quand t'envoies un mail dans la mode, t'as pas de réponse. Du coup j'étais là en mode moi je m'en fous, j'envoie mes mails et voilà. Le vinyle il ne rentre pas dans mon sac, du coup je suis obligé d'avoir un tote bag plus mon sac. Quand je prends mon sac, c'est que je dois vlogger. Parce que toutes les affaires de caméra, je vais pas mettre ça dans le tote. Quoique j'aurais pu mettre ça dans le tote bag. Mais non. Je me balade avec deux sacs. Comme ça. Rez-de-chaussée. Merci Viviane. Thank you.
Nouveau vlog les gars. On se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. C'est la Fashion Week. Enfin, ça commence demain. Aujourd'hui, bah, j'ai pas grand chose à faire. Juste un petit changement. J'espère que... En vrai, j'aime bien ma tête à la caméra comme ça. En vrai de vrai. C'est pas mal, c'est pas mal. Faut que je m'y habitue parce que c'est pas évident. Mais ouais, aujourd'hui, juste hangout with some friends. Ça fait bizarre. Vous savez, on est quand aujourd'hui? On est le 16 janvier. Et aujourd'hui, putain, l'ombre. Je veux me mettre dans le soleil, tu vois? Poussez-vous là. Voilà, restons au soleil, les gars. On est le 16 janvier aujourd'hui et c'est le premier jour de Fashion Week. Et ce soir, il y a le défilé LV. Et bien évidemment... Ah. On n'est pas invité. Pour l'instant, on n'est personne encore. Quand je regarde mon taf sur les réseaux, je peux être invité, tu vois. Mais quand je regarde mes statistiques, ce ne sont pas les statistiques qui plaisent aux marques ou qui donnent envie aux marques de travailler avec moi parce que je n'ai pas encore une grosse communauté et de grosses statistiques. Après, je sais que le... Désolé, hein, si je touche, vraiment désolé les gars. Après, c'est que les statistiques, c'est pas vraiment un frein, mais ouais, j'ai pas les statistiques qui peuvent me permettre de travailler avec des grandes marques comme ça. Quand tu rêves de quelque chose et que tu l'obtiens une fois, en tout cas dans mon cas, moi, quand je rêve de quelque chose et que je l'obtiens une fois, c'est bon, move on. La Fashion Week, j'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà assisté à des défilés plusieurs fois, after show, plein de trucs. Du coup, le monde de la mode, j'ai déjà côtoyé et ça y est. C'est trop bon. Pourtant, c'est des choses simples. C'est trop bon. Depuis que je me suis intéressé au mannequinat, j'ai toujours voulu faire du mannequinat. Et en fait, ces dernières années, surtout ces derniers 365 jours, j'ai grave abandonné le projet d'être mannequin et tout. Parce que je voyais que c'était pas très simple d'y rentrer. Mais en fait, hier, je suis posé dans mon lit et je me suis dit non. Si j'ai envie de faire du mannequinat, c'est parce que je kiffe la sensation de défiler. Genre, défiler, c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte, mais défiler, c'est incroyable. C'est même au... En fait, c'est même pas question d'être vu, c'est personnel. Pour son estime de soi-même, pour son ego, pour défiler, c'est incroyable. J'ai déjà fait deux fois et j'ai envie de recommencer. Ce qui fait que bah, je vais revenir dans le mannequinat. Ah. Été 2024, je défile. Mais je sais pas si je tourne un épisode de podcast là parce que j'ai envie de sortir là, il fait beau. On verra. Mais la coupe, elle me va bien en fait. Ça va. J'avais énormément de colis ce matin à les poser. J'ai tout fait. J'ai pas filmé parce qu'il fallait que je fasse. Parce que c'était depuis vendredi que les gens ont acheté leurs trucs sur mon Vinted. Et je l'ai envoyé aujourd'hui mardi. Entre temps, j'avais pas vraiment le temps. Mais là, c'est bon. Tout est carré. Je vais me laver. Je vais sortir. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc assez bien. Pas un truc spécial, mais j'ai envie de faire un truc concret. Ouais, ça laisse, ça c'est nickel.
I can fake combo just cause your ass is insecure. Non, on n'est pas en ce moment. Vous savez, la dernière fois quand j'étais venu ici, j'avais vu ce magazine-là. Bon, je suis toujours broke, je ne peux pas me l'acheter. Mais quand je vais pouvoir me l'acheter, je vais me l'acheter. C'est King Kong Magazine. They're like, so many good stuff inside. Literally.